Oui, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Veuillez vous connecter, veuillez vous connecter. C'est encore nous, vos deux évangélistes, Guillaume Alain et Osée Mélès, encore ce soir pour vous entretenir sur un thème très important. Le pasteur n'a pas vaincu. Bon, attends, faut pas y aller parler gros français. Même. Ce que le pasteur n'a pas vaincu là, nous on voit. Bah, nous, on veut être des vainqueurs, mais on voit que le pasteur n'a pas vaincu. Donc, on va voir ensemble ce à quoi il a été confronté, ou bien ce à quoi il est confronté, et puis ça ne va pas. Et puis, il n'a pas vaincu. Donc, il est tombé en défaite. Donc, connectez-vous et partagez la vidéo. Chacun a droit à 50 partages. Est-ce que c'est un vrai pasteur? Attends d'abord. Je suis dans les partages d'abord. Oh, mais dis actuellement là, c'est un retour en fait. Donc chacun a droit à ce que. Eh, c'est sérieux, hein. Oh, connectez-vous, mais. Il y a le pasteur local, il faut le saluer. Il doit faire 100 partages. Donc s'il ne fait pas 100 partages. S'il ne voit pas 100 partages, il ne le salue pas. Oh, pasteur local, même si ce n'est pas arrivé à 100, ce que je suis, il faut partager. Il aura fait 100 partages. Ça, c'est la forêt. Non, Moses. Non. Le cantique il est bon. Il est bon. C'est Dieu. Est-ce que les gens savent qu'il y a la joie même dans le camp de Dieu même? Est-ce que les gens savent ça? Oh. Ils n'ont qu'à venir vous expérimenter ça. Le vrai bonheur là, c'est pas dans votre affaire de. Il y a eu le pasteur n'a pas vaincu. Le pasteur n'a pas vaincu quoi? Nous saluons Ange Boé. Nous saluons Sadia Kessier, nous saluons Théodore Loco, nous saluons Sandrine Agnella, nous saluons tous ceux qui sont en ligne. Partagez massivement ce direct et vraiment restez connectés pour suivre jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin aussi, il y a une petite surprise qu'on vous réserve. C'est quelque chose que jamais mais vous n'avez entendu. Mais tu m'as pas dit ça. Oh, t'as tiré que de tout. Attends, toi quand t'as commencé, t'as lu les évangéliques. Les évangélistes, c'est... Alain Guillaume et puis Osée Mélès. Oui, mais est-ce que tu dois savoir? Bon, pardon, donc faut parler. Écoutez-le. J'ai fait, on dit on va durer, j'ai fait on durer. Pardon, bon, faut parler. Oh, j'ai dit, vous avez une petite surprise, quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Ça sera vraiment évangéliste. Le pasteur n'a pas vaincu. Eh, t'es sûr que c'est un vrai pasteur? J'ai dit, c'est un vrai pasteur, mais il non, n'a pas vaincu. Non, tout bon pasteur est vainqueur. C'est écrit où que tout bon pasteur est vainqueur? Mon cher, il dit lui n'a pas vaincu. Mais attends. Donc si lui n'a pas vaincu, ça veut dire qu'il a été vaincu. Il est en mode défaite même. C'est que attends, il a tout perdu même. Donc lui là, son seul esprit de terre où et puis il a été vaincu. Cet esprit même voir même lui-même son corps là. Cet esprit c'est que s'il reste trop dedans là, il va l'humilier. Donc cet esprit est sorti pour aller le regarder. Donc sur cette destinée, aller se balader. Saint-Esprit s'est arrêté de l'autre côté du goudron pour le regarder. Bon, attends, c'est il vrai, a été vaincu. C'est vrai que le Saint-Esprit peut le laisser. Mm-hmm. Mais sa Bible était où en ce moment-là? Parce que. Oh. Oh, attends, parce que quand souvent dit, c'est chaud sur toi, là, tu peux regarder dans la Bible. Attends, aussi. Tu connais l'encyclopédie? Je connais ça. C'est comme ça. Ça a quand même acheté.
Et c'est pas la Bible qu'on appelle Jérusalem. Et c'est le tout comme ça. Il met ça dans un gros sac pour un puis il accroche là. Tu as le voir, tu as dit pour les gens d'université. C'est une grosse Bible qui est là. Malgré qui la Bible, elle a été vaincue. Et puis c'est pas la Bible où on écrit en petit caractère là. Jéri, gros, c'est gros comme ça. Tu vois, elle là, c'est l'or là. C'est comme ça, gros. C'est gros, gros dedans comme et ça. Donc il voit bien. On dirait que c'est il a lu tout. À Jérusalem, sa Bible. Tu as vu tout ça. Il a lu tout, mais il a été vaincu. Mais j'ai appris que il s'est fait appeler un temps un ami de la foi. Maintenant, sa foi était où et puis il a été vaincu. Ben, moi, il ne comprend pas. Si son Saint-Esprit l'a laissé, la Bible aussi l'a laissé. Donc, on dit qu'il est ami de la foi. Comment se fait-il qu'il va se... Il pensait qu'il allait être comme Abraham. Quel Abraham? Est-ce que lui l'a ami Abraham? Lui, il est passé, Abraham est prophète. Mais il dit qu'il est ami de la foi. Ah, ouais. Abraham est le père de la foi. Donc peut-être qu'ils étaient ensemble à Kepa là-bas. C'est à cause qu'il a échoué. Puisque il ne peut pas être autant d'Abraham et puis il est là. Toi, tu n'es pas momie. C'est à cause qu'il a pris des fêtes. Mmh. Mais ce n'est même pas ça en fait. Ça peut être ça, mais ce n'est pas ça. Et puis, il y a des gens aussi qui ont pensé que bon, peut-être qu'il cherchait quelqu'un dans l'église. Il voulait et puis il n'a pas pu. Il n'a pas pu coucher une femme de Jésus. Ce n'est pas dévoilement. C'est pas ça. On dit le pasteur quoi? Le pasteur n'a pas vaincu. Il n'a pas vaincu. Yéri, le thème est trop fort. Si vous avez vu sur la fiche, j'ai mis en bas, vérité révélée. En fait, le pasteur a révélé lui-même là. Lui-même là. Il a révélé là, que vraiment, il ne peut pas être vainqueur. Il faut dire ce que le pasteur a fait vraiment. Oh Dieu là, c'est pas moi mais il dit. Le pasteur là même va dire ce qu'il a fait. Faut lire ça. Tu prends. Faut lire. Attends, de lire quoi. Bah, toi tu dis que il a été vaincu. Le pasteur a-t-il des lits? Donc le pasteur, lui, il a fait un récit, il vient t'a raconté son histoire. Le pasteur a échangé avec mon papa, avec mon père. Et puis le pasteur, il a avoué qu'il est venu. Ça, quelle année? Oh, ça me tient trop ça. Tu as dit qu'il est mort. Faut me donner l'année. Tu as dit qu'il est mort. Ton papa, là. Mais. Moi, il ne dit pas que c'est vrai. Mais faut me donner l'année, là. Mon papa, mon papa, depuis le 24 avril 1993, Dieu est descendu pour le visiter. Mais faut me dire que c'est prophète Kakou Philippe dit ton papa. C'est mon père. Je sais ça. Aye. Mais quand tu as dit ton papa, moi j'ai écrit que c'est celui qui t'a mis au moins. Non, c'est pas lui. Alain Guillaume là. Faut pas me fâcher. Oh, faut pas te fâcher toi. Mais c'est pas. On entend dire la. Donc j'ai dit. C'est pas lui qui t'a mis au moins. Peut-être que le traite de païen. C'est vrai. Mais il est païen quand même. Il croit pas Kakou Philippe non. Mais c'est ça. Donc il n'a qu'à croire. Et puis lui aussi il va croire. Donc tu dis quoi de lui? Maintenant, faut partir dans Kakou chapitre 58, verset 13. Aujourd'hui, là, on ne va pas faire. Et souvent, on vous dit ce qui se passe. Mais aujourd'hui, là, on lit. Le pasteur là lui-même, vous-même, vous allez voir ce qu'il a fait. On lit ça clair. On va pas trop du haut-delà, c'est clair. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la. Mettez les cœurs, mettez les j'aime. Et invitez le maximum de personnes à se connecter pour suivre cette vidéo. Même après. Qu'ils se connaissent, qu'ils suivent. Visualisez cette vidéo seulement. Vous allez voir ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Il dit de lire. Hein. Moi, je lis seulement. Il n'y a plus de verset là. Kakou Philippe avait un pasteur. C'est un pasteur de quelle église? On voit ça. Il dit, j'ai rencontré un pasteur baptiste. Et c'est un type de Dion Robert. C'est-à-dire que Dion Robert, Dion Robert est pasteur. Il a établi lui aussi pasteur. Un pasteur qui établit pasteur. On reviendra dessus. Dion Robert a établi pasteur. Mm-hmm. Et puis, lui là, il est pasteur d'une église baptiste. Il a rencontré Kakou Philippe. Les deux sont en train d'échanger. Il a dit, ce que tu dis est vrai. Ce que Kakou Philippe, toi tu prêches là, c'est vrai. C'est un prophète qui doit établir la sacrificature. Femme ne doit pas prêcher. On doit faire la confession publique. Le salut, c'est pas un prophète vivant. Église catholique, protestante, baptiste, tout ça, c'est les canaries, c'est les... Comment on dit ça même? Filet de Satan. Tout ça. Tout ça. Les Bibles, second, King James, tout c'est ça. Vrai. C'est canaries de fétiche. Nous, c'est d'accord avec. Mais, ce que tu dis est vrai, mais oui. Qu'est-ce que je peux faire devant un système que je suis venu trouver? Il dit, il faut aller doucement. Ah, pardon. Oh, ce qu'il dit, ce que Kakou Philippe dit est vrai. Maintenant, il peut faire quoi? Il dit, il va envoyer une idée contraire. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire devant un système que je t'ai pas dit faut faire ralentir. T'as quel problème? Oh pardon. Il a coupé. Pardon. Faut aller. Si tu fais la moi, il y a tu as lu ça. Tu as vu ça? Toi même tu sais que moi j'essaie de bien lire. Ça quoi? Tu as inspiré? Faut lire. Bon, ça fait nous pas là pas commencer encore. Bon, allons-y. Mais
Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Devant un système que je suis venu trouver? Ha! C'est une question. Hein. Le pasteur dit tout ce que Kakou Philippe dit là, c'est vrai. Mais lui là, il est inoffensif face à ce qu'il est venu trouver sur la terre. Mm. Ce système qu'il est venu trouver sur la terre là, lui il sait pas, il va faire quoi par rapport à cela. On poursuit. S'il veut quitter le système, s'il veut quitter l'église baptiste, s'il veut partir à Kakou Philippe, voilà ce qui va se J'ai passer. J'ai une grande famille à nourrir. Oh, il a une grosse femme. Il a 6 enfants. Est-ce qu'elle n'est pas claire même? Elle est claire. Ils aiment femme claire. Elle est grosse claire. Ça pour moi, ça doit coûter cher. Oh, son affaire de foutu. Il doit la faire moyen foutu toujours. Il doit lui donner l'argent de pommade. Il doit lui donner l'argent de parfum. Il a 6 enfants. Il a même des enfants dehors. Il y a ses parents aussi qui comptent sur lui. Toute la grande famille du village, on sait que lui, il est devenu grand pasteur au baptiste. On compte sur lui. Il dit, le système qu'il est venu trouver de l'église là, si lui, il abandonne ça, vraiment, et ceux qui comptent sur lui là, et ses enfants que Dion Robert scolarise, et sa femme qui prend l'argent des gens quand il leur dit qu'ils vont avoir voyage, et puis ils ne gagnent pas voyage, et puis ils donnent l'argent quand même, et puis il vient prendre pour donner à sa femme payer pommade là. Ça va faire comment? On continue. Mettez les cœurs un peu. On vous a fait quoi même? Depuis là, mais ils ne voient même pas que. Ça aussi, ça c'est... Attendez, si bon, vous ne mettez pas ça là, on lit. Tais-toi, on va vivre. Dis-moi, il y a des choses. Tu sais, hey, quand nous on prend connexion et puis on fait la écroiser, nous c'est bon. Bonjour. Bon, moi, on va continuer. Ah, bah, il voit qu'il veut mettre les cœurs, mais bon. Mettez les cœurs. Les réalités sont là. On va continuer. Mais nous sommes obligés de présenter aux gens une autre face de la réalité. Les réalités sont là. Oui, viens. Ça veut dire que viens. Ils savent que le pasteur là, il est en train de montrer à Kakou Philippe que c'est-à-dire que si la terre là, on a famille, on a les enfants, on a les personnes à nourrir, tout ça. Donc c'est nos réalités. Maintenant, en tant qu'homme, en tant que chef de famille, là, on a le droit de les suivre correctement. Maintenant, comment lui, il va les laisser, il va les abandonner alors que dans l'église, vous savez qu'au baptiste, là, on paye les pasteurs, non? Au baptiste, là, ils ont 400 000, 600 000 par mois. C'est vrai. Donc, quand il va laisser... Voilà, papy même dit c'est vrai. Papy, faut envoyer chaise pour papy. Envoyer chaise, non, le deux va s'asseoir. C'est ce que tu es en train de dire, là. Hein? Oui. Il faut envoyer chaise d'abord. Attends, faut pas te presser. Attends, t'asseoir. Ça me fait mal. Tu vas t'asseoir, les vieux. Papy, tu n'as pas cheveux blancs pour rien. Papi, tu les connais. Papi, faut attendre. Ils vont t'envoyer chaise. Yeri. Papi. Voilà. Ils vont envoyer chaise. Mm-hmm. Voilà. Mais il faut au-delà. On dit tout. On dit tout. Écoutez d'abord. Le pasteur dit qu'on a des réalités. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une famille et ainsi de suite. Donc, si... Moi, je vois que c'est vrai ce que tu dis, toi, Kakou Philippe. Si il vient, il laisse l'église baptiste alors qu'il me donne un salaire ainsi de suite. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Ceux qui me suivent là, mes parents qui comptent sur moi, tout ça là. Ma grosse femme Claire, tout ça là. Il a fait comment pour eux? C'est ce qu'il dit au prophète. On continue. Il a dit, nous sommes sous la tutelle de l'État. C'est-à-dire, eux là, ils sont voir gouvernement. Ils sont voir les gouvernements des pays. Et puis, les gouvernements leur donnent papier d'autorisation. D'exercer leur ministère. Et puis même, ils ont 4 des pasteurs. Quand lui, il se promène comme ça, là, si tu l'arrêtes, si le policier le siffle, il fait sortir. Il dit, j'ai ma 4 pasteur. Des pasteurs. Et il est en mode, lieutenant Colombo. Lieutenant Colombo. C'est un faux pasteur. Kakou Philippe dit que quand il regardait le lieutenant Colombo, étant petit, là, quand il vient, il fait co-co-co. Quand tu ouvres, il dit, allez, lieutenant Colombo. Le pasteur, là, lui, il a 4. C'est celui-là. Ah, et le cet esprit-là. Mais attends, c'est cet esprit-là qui est 4 là. Et Pierre avait 4. Je vais vous dire quelque chose. Mm-hmm. Est-ce que vous savez que ce sont les plus intelligents d'une famille qui vont à l'école pour devenir pasteur? Le jour de leur ordination. Ils ont des mots bizarres aussi. Je te dis que c'est une grande fête. Il y a uniforme. Parce que c'est un directeur de société qui est... Claire Bailly, la prostituée. Mais Claire Bailly, la prostituée. Claire Bailly, la prostituée. Ouais, la prostituée robe bête. Hey, c'est pour la première fois que Claire Bailly s'est la bière. De quoi? C'est l'argent qui va venir. Où on devait lui donner bip et huile d'olive dessus. Pour aller mentir aux gens. C'est là, elle, c'est pour la première fois qu'elle s'est bien habillée. Elle a porté robe. Oh, quand les autres là, la nouvelle robe là.
Non, mais au moins, elle a pas de collant. Pour au moins une heure, elle s'est bien habillée. Ça, c'est pour une première. On peut au moins la féliciter pour ça. Moi, mais les gens là, quand ils sortent de l'école là, il faut voir que ce sont des directeurs de société. On compte sur eux pour avoir de l'argent. Ils ne peuvent pas abandonner le travail qu'ils sont allés apprendre à l'école. Attendez. Ce que papy est en train de dire là, c'est tellement important que ça l'a chuté là-dessus. Papy va bien nous expliquer ça. On poursuit la lecture. Regardez. Vous devez comprendre ce côté. Devenant des églises État. Ils sont devenus des églises comme État. Comme le catholicisme. Comme l'église catholique. Des petites subventions. Parce que l'État va voter un budget pour eux. Et puis ils vont se partager là-bas. Et pour se consoler. Maintenant, il voit que en fait, ce qu'il est en train de dire. Il est vaincu. Il est vaincu par le combat de la pensée. Oui. Il est vaincu surtout par les soucis de ce siècle. Oui. Donc, bon, il veut essayer maintenant de dire quelque chose pour appuyer ce qu'il dit là, il va avoir raison. Il veut se consoler. Il a terminé disant, tu sais, oui, Dieu peut passer par César pour te bénir. C'est ma guerre. Et puis il dit, non, il prend l'exemple de Bible même, que non, les corbeaux ont nourri Élie. Attends, il va lire ça. Les corbeaux ont nourri Élie. Allez, tu dis non, tu sais ce qui s'est passé. Attends, il va lire encore. Attends, faut plus lire, on lit plus. C'est bon, on parle maintenant. Je ferme. On parle maintenant. Tu sais quoi ce qui s'est passé? En fait, non, le problème c'est quoi? Les gens, ils prophétisent. Les gens parlent en langue. Les gens prêchent Jésus. Les gens ont la Bible. Ils lisent la Bible, ils comprennent quoi en ça. Mais en eux-mêmes là, ils ont une très grande incertitude. Comment on écrit incertitude là? Il faut laisser ça là. Elles sont ici, on est venu faire une compasse là. Ah bon, faut parler. Ils sont pas certains qu'ils sont sauvés. Ah, mais pour papi, ça. Papi, mais et lui, il ne comprend pas français où? Moi, je ne suis pas dans l'école, elle ne peut pas me parler comme ça. Ah d'accord. Attends, du gros. Moi, je connais papier. Ça, tu connais pas. Et puis, il ne savait pas épiler l'incertitude. Bon, c'est bon, alors. Mais ils sont pas sauvés. Voilà, il faut parler qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Donc, ils sont dans l'incertitude de leur propre salut. En fait, il est au catholique, il est au baptiste, ce pasteur-là, par exemple. Il prie, il jeûne, il lit la Bible, il enseigne aux gens. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait qu'il est méchant. Il sait qu'il est aveugle. Mais il faut regarder quand il dort là. Il a des cauchemars. Il y a quelqu'un qui vient s'asseoir sur lui. Comme un mort. Je dis, mais là, souvent quand ça les laisse dans les élèves. Jésus. Le feu. Je te taillade. Maintenant, à 6h du matin, fidèle vient. Il dit, ah, pasteur, la nuit là, il y a quelqu'un qui s'assoit sur moi. Il dit, non, va, c'est attaque pour jeûner. Mais lui, la nuit là. Ils sont mauvais. Non, c'est méchant, ils sont méchants. C'est tout ça la bête d'incertitude là, non? Donc en fait, ils sont méchants. Le pasteur n'a pas vaincu son incertitude. Il sait que quelque chose ne va pas. Il sait que où il est au baptiste là, c'est pas la vérité. Mais il n'a pas combattu ça pour venir au prophète Jacob Philippe. Il a résisté et il a gardé et il a chargé les soucis de ce monde sur lui pour pouvoir marcher avec ça. Et il va mourir avec ça. Mais regardez ce que papy a dit. Regardez ce que papy a dit. C'est-à-dire, eux là, ils vont faire école pastorale, tout ça là. Quand ils sortent là, ils deviennent comme des députés, des directeurs d'entreprise. Comment ça se passe? Comment ils doivent rembourser tout ce qu'ils ont perdu là-bas, tout ça ainsi de suite là? Peut-être nous on ne comprend pas bien. Papy va parler. Il faut nous expliquer. Mais ça. Il doit se présenter d'abord, on ne le connaît pas. Ouais, c'est vrai. Et on l'appelle papy, ça passe. Je suis le frère Aïmé Magloa. Non, c'est pas frère là. C'est notre précieux frère Aïmé Magloa, mais c'est notre papy. C'est un disciple du prophète Kakou. C'est l'évangéliste. Il est vieux, mais il est évangéliste. Il va vous évangéliser. Maintenant, j'étais dans leur milieu. Voilà. J'ai fréquenté à l'école mission catholique de Benoît. Ouais, c'est un loin. J'ai travaillé avec les prêtres. Mais ils sont méchants, ils sont mauvais. Papi, j'ai vu le jour de leur consécration. Papi, faut les bien les fixer, faut les dire. J'ai vu le jour de leur consécration des danses guerrières à l'église. Hein? Avec des kaolins et des œufs. On comprend, c'est les Romains là. Attends. Quand tu dis Romains, catholique, ça c'est combien? C'est combien? À 100% même. Non, attends. Ils ont chanté chant de combien même à l'église. C'est fini. Mets le cantique, c'est bon. Non, moi je ne peux plus parler encore. Attends, vous êtes encore de catholiques. C'est combien? Attends, mes cantiques là. Ils auraient écouté cantiques, c'est mieux. On ne peut plus rien faire. Combien? Aïe. Non, faut laisser. Papi, il faut terminer. Alors,
Ce n'est pas l'église catholique seulement. Hein. Je ne vais pas dire le nom de mon frère là. D'accord. Mais lui aussi, à l'église protestante méthodiste. Il est venu en pensant que c'est un pasteur, alors que c'est un sorcier. Il est venu pour détecter qui sont les sorciers qui sont assis dans l'église là. J'espère qu'il t'a pas désiré comme je disais avant. Ça, il a peur de nous. Mais ça là, c'est Dupri. Ça est Dupri. C'est Dupri. Ça est Dupri. Mais en réalité, c'est lui-même, c'est un féticheur. Mais c'est ça, il a dit c'est un sorcier. C'est un sorcier. Comment toi tu peux venir dire papa déjà un sorcier? Il est venu en manteau de pasteur. C'est ça non? C'est ça. Il a porté une robe rose. Je me rappelle, oui, et puis il a un truc blanc ici. Je me rappelle d'une petite anecdote que vous pouvez donner. Bon, c'est même pas une anecdote. Si je dis anecdote, ils vont penser que c'est une petite histoire. C'est une parabole. Ça vous plaît pas dit que. Il a dit quoi? Une mère est femme de mouton, on appelle ça comment? C'est un brebis, voilà. Mais il se voit aussi école là-bas. Faut pas y aller des juments ici. Toi, tu as fait université, donc toi, tu connais pas papier. Ah oh, j'ai dit, la brebis a laissé ses petits, les agneaux. Elle dit, elle revient, elle est sortie, elle est partie. Elle est allée chercher quoi? Peut-être qu'elle est allée chercher manger, les trucs, mais les trucs comme ça. Elle est partie. Oui. Le loup a su ça. Le loup, l'André, c'est ce pasteur Baptiste là. Oh, loup là. Et ils aiment trouver, quand ils trouvent les agneaux là, ils les mangent. C'est ça. Donc il l'a mangé un là-bas. Et puis il a enlevé sa fourrure, il a mis sur lui. Puis il est venu doucement. Puis il dit, oh, oh, oh. Et puis quand un agneau est venu, il dit, c'est qui? Il dit, c'est votre maman, la brebis. Non, il veut imiter les mamans. Et il dit, ah bon, mais tu viens de sortir? Il dit, je suis derrière toi avec la nourriture, ouvre-moi. Puis il insistait, ouvre-moi vite. Ah, la maman n'a pas l'habitude de faire ça. Souvent, même quand elle vient pour montrer que c'est elle, elle klaxonne trois fois. Plou, 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 plou. Donc, la connaît. Il n'a pas klaxonné, ça fait un. Et puis, il vient, il insiste pour rentrer. Hey, c'est le grand frère. Tu sais, le grand frère là, il protège les petits. Donc, il dit, il va bien analyser. Donc, il a regardé. Et puis, il a vu que sous la porte, il y avait espace. Et puis, c'est que patte de loup là. C'est que la fourrure qu'il a mis dessus là. Ça s'est soulevé un peu. Yeah. On voit, oh, c'est pas sabot. Et puis, ouais, griffe. Il a dit, oh, c'est un loup. On ouvre pas, on ouvre pas. C'est la même chose, là, il allait faire. C'est la même chose. Là. C'est la même chose. Ouais. C'est, ils viennent. Ils devaient avoir carolet blanc sur eux. Ils devaient faire vaudou, bien, dipri, tout ça. Le maintenant, ils ont abandonné ça. Maintenant, là, c'est costume. Le pasteur n'a pas vaincu. Eh, parfum. Il paye parfum. Il a dit, le pasteur n'a pas vaincu. Le pasteur ne peut pas vaincre. Il a été vaincu. Le pasteur, donc, malgré son Saint-Esprit, un pasteur aura toujours, malgré sa Bible, il dit, attends, il n'a même pas encore dit, il aura toujours quoi? Toi, tu parles seulement. Donc, il ne doit pas parler aussi, quoi. Il faut parler. Allez. Il aime tout parler. Il faut parler. Moi, bon, si il parle, moi, il aime me lever ou partir. Non, il faut. Tu as beaucoup de choses à leur dire. Il faut attendre. Mais depuis là, c'est lui, c'est pas lui, il a parlé de loup, de mouton, les pâtes et tout ça. Il n'a pas encore fini. Bon, là, il faut finir, frère. Vas-y. Parce que c'est intéressant ce que tu dis là. Voilà. Faut pas y avoir parlé, moi, mec, en dit. Non, je vais parler. Donc, le prêtre catholique qu'on a ordonné ce jour-là, avec les danses tam-tam guerrières, kaolin, œuf, dans leur église catholique de Benoît, là. Oui. Je suis allé à l'église protestante méthodiste, là. Et j'ai vu ce pasteur-là, lui aussi, avec sa robe violette, là. Avec tout blanc ici, en train de désirer les vieux qui sont dans l'assemblée. Comme des temps des sorciers qui m'assurent la tête la nuit. Et pas d'être au début, là, en robe. Il te dit. Les deux ont les mêmes tenues simplement que l'autre était en robe blanche, l'autre le second robe était violette. En robe violette. Oh là là. Tu vois, maintenant, ce que je disais là, ce sont des gens sur qui toute une famille, un peuple compte. Effectivement. Donc, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin beaucoup d'argent. C'est vrai. Et ils ne manquent pas à passer par des moyens occultes. Pas des moyens sombres, pas des moyens diaboliques, sataniques, démoniaques. Leur enfant te fréquente qu'en France. C'est ça qu'un moyen sombre. Quand on dit politique, non. Là, non, même les politiciens les cherchent pour le tuer. Papi, attends. Moyen sombre, là, c'est quoi? C'est les enfants qui sont en France. Non. Là, ils font les faux trucs pour avoir l'argent. Mais attendez, moi, je dis, oui. Quand ils vont à l'école pastorale, là, ben, souvent, quand tu as concours de police, ou bien CAFOR. En tout cas, quand tu as les concours de notre pays, là, c'est ici nous on connaît. Quand tu t'en vas là, souvent on dit faut envoyer BIC, on dit faut envoyer SOFO, on envoie balai, équipement. Souvent, même quand vous êtes là-bas, vous payez les documents, les trucs comme ça.
on vous donne manger, on, tout ça là. Et puis après, après là, bon, souvent pour eux, on leur donne la peine, tout ça. Mais, tout là, école pastorale là, quand ils sont, ils payent les documents, ils payent les robes, tout ça là pour porter là-bas. Maintenant, quand ils finissent, on leur donne huile, bible, tout ça là. Mais on ne leur donne pas rappel. Donc, comment ils retirent ce rappel là? Ça a crédit, tout ce qui se dépense. Ça a crédit. Mais comment ils retirent ça? Tout non, c'est pour cela qu'ils font veiller. Ils donnent des enveloppes chaque année. Mmh. Pas chaque année, dans chaque mois là. Dans le mois là, il va faire veiller 4 fois. Il y a des gens même souvent quand ils voient là, ils disent octobre, c'est le nouveau mois de l'excellence. Mmh. Ils donnent l'enveloppe au 1er octobre. Quand novembre arrive là, ils disent ça c'est le mois du mariage. Ils donnent l'enveloppe. Il y a un là, c'est un forum Telegram là. Lui chaque lundi là, lui vient pour proclamer mariage ou bien voyage si les gens. Oh, lui c'est un menteur. Et lui il pense qu'il va nous partager l'enveloppe et puis nous on donne l'argent. Il a voyagé combien de fois même? Ah, il sait même pas même. Peut-être même c'est sa ville seulement où il est là. C'est comme ça il faut. On le connaît même pas à Daloa. Le pasteur n'a pas vaincu vraiment. Un qui a jeté l'eau sur un animateur de télévision parce que l'animateur de télévision était de dévoiler comment il a eu 7 millions. En plein... L'animateur, il doit être bien. L'animateur, il doit être bien. Même s'il n'a pas le Saint-Esprit, oui. Dès que ça pouvait venir. Le pasteur a été vaincu. Le pasteur a été vaincu. Il a été vaincu. Mmh. Il a manifesté un comportement diabolique. L'animateur m'a été étonné. Hé, hey, papy. Oh, papy. T'as été là. Papy, papy, faut te laver tout aussi. Non. Papy, ils sont non, méchants, non, papy. Ils sont méchants. Papy, non, papy, non. Papy, il a capable de passer. Je m'en vais. C'est vraiment papy. On finit ensemble la mission. Ils ont vendu l'eau céleste dans une bouteille de 5 litres à une de mes soeurs. À combien? À 5 000 francs. Mmh. Attends, donc 1 litre à 1 000 francs, 1 litre à 1 000 francs. Donc ça fait 5 000. 5 000. Allez, c'est fini. On a besoin d'argent pour faire quoi? Dire, bon, bon, bon. Alors, donc, chers internautes, merci de nous avoir suivis. Alors, nous sommes la famille, les disciples du prophète Kakou Fili. Amen. Nous sommes en mission actuellement dans la grande région de la mer, précisément à Azopé et dans le village de Anaguié. Nous sommes venus pour une grande campagne d'évangélisation. Alors, je suis l'évangéliste Osé Bélès avec le tout-puissant évangéliste Alain Guillaume, sans oublier le doyen, il est âgé, mais oui, l'évangéliste Aïmé, my gloire, il est toujours sur le terrain. Je vous laisse la parole à Alain Guillaume pour les salutations. Je salue le pasteur Yeso, que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Je salue aussi notre précieux pasteur Olivier depuis les États-Unis. Je salue aussi Noël Kofi, que Dieu te bénisse. Nous saluons aussi Zakoué Rodrigue, que Dieu te bénisse. Oro Jean-Jacques Kwasi, que Dieu te bénisse. Moïse Yodé, que Dieu te bénisse. Eman Kwaku, Kaku, que Dieu te bénisse. Epiphanie Ngou, épouse de So, que Dieu te bénisse. Matinho Ferreira, que Dieu te bénisse, notre précieux frère depuis Luxembourg. Il y a le ministre de la parole qui était en ligne, quoi Jean? Oui, oui, nous le saluons aussi. Nous le saluons aussi. Nous saluons tout ce que. Ben, souvent aussi, c'est compliqué de voir les noms en commentaire là. C'est compliqué quand, en regardant comme ça. Laurent Cavalier, Nadem Bega, que Dieu te bénisse. Pour les noms passés là, si déjà il y a des connectés, vous pouvez mettre un commentaire. Nous saluons aussi, je crois, c'est notre précieux pasteur Gauthier. Voilà, depuis, je crois, la RDC. C'est l'Angola, monsieur. Gauthier. Quel Gauthier ça? L'apôtre Gauthier. Non, c'est au Gabon. Au Gabon, voilà. Oui, c'est au Gabon. Donc, ceux qui sont aussi en ligne, vous pouvez commenter. Pour mettre, si vous êtes en Abidjan, vous êtes au Gabon. Il y a le prédicateur Ako qui est en ligne. Pour qu'on puisse savoir. Et attends, une salutation spéciale. À qui? Notre maman, Clémentine Aimé. Elle nous suit toujours. Il faut la saluer. Oui, oui. Notre maman, Clémentine Aimé. Vraiment, nous te saluons. Attends. Il a dit ma maman Clé. Il a déraillé. Pourquoi? Le vieux, il est là. Le pasteur a déraillé. C'est à cause qu'il n'a pas vaincu. C'est un nouveau terminé. Déraillé et puis vaincu, il avait dit. Hein, c'est avec lui. Ouais, d'accord, donc continue. Donc, la prochaine fois, on va parler des pasteurs qui ont déraillé. Saint-Yves Kwaku, nous te bénissons. Nous saluons aussi le pasteur Marcel Gekulania, que Dieu te bénisse. Depuis Daloa, il nous salue. Voilà, nous saluons tous ceux qui sont en ligne, nous vous saluons. Et vraiment, on se donne rendez-vous. Demain. Demain, 17h, encore pour un autre sujet bien tendu.
Bébé, danse un peu en voilà. Hey, c'est fort, hein? Hey, c'est la joie. Il m'a dansé un peu. Si tu aimes, non pas de danse, la forme les cœurs. D'accord, merci. Amen. Viens saluer, frère. Donc, à bientôt. Notre précieux frère Urich, Ango. Bonsoir à tous et à toutes. Prédicateur d'Azopé. Ah, vous avez fait passer le message. Ouais, ouais. J'espère qu'ils ont bien compris. Hein. Non, ils ont compris. Le pasteur a vaincu. Ils vont comprendre, ils vont comprendre. Ok, je vois Julien Atebi, mon précieux pasteur depuis Divo, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu fais, Azikizo. Azikizo. Faut garder un peu pour demain. Attendez massivement ce direct là. Hein. C'est vraiment important. Garde un peu pour demain. Alors, donc, à bientôt.